Voilà, j'arrivais à Saint-Maur-des-Fossés. On m'a signalé un essaim. Alors, il y a une dame qui doit venir dans une demi-heure. Donc, je suis venu à toute vitesse parce que j'avais peur qu'elle intervienne la nuit, que ce soit une cata. Donc, du coup, je vais le récupérer, je vais le mettre dans le carton et ensuite, je vais l'appeler pour voir comment je peux lui passer l'essaim. Donc, voilà, bah, tout bête, hein. Moi, je mets quand même, j'ai quand même décidé de m'habiller. Je vais mettre les gants, je vais mettre le carton en dessous et je vais secouer l'essaim. Allez, je le fais. Voilà, toujours la même chose. J'ai mis l'essaim en dessous. Vous avez qu'à le tenir pour comme ça, je vais secouer. Vous pouvez me le filmer, juste vous cibler là dans cette direction. D'accord. Et moi, je vais secouer comme ça, on fait un Allez-y, petit film. secouez. On va mettre bien en dessous pour pas les éparpiller. Pas trop mal. Ça va, vous êtes pas inquiété? Non, non, pour l'instant. Allez, je me refais. J'ai mis un toit. Je leur mets un plafond. Faites attention quand même, hein. Je ne veux oui. pas que. Non, non, mais. Allez, écartez-vous quand même parce que je n'ai pas du tout envie que vous. Non, non, vous terminez avec. Ça a l'air d'aller, hein, ils sont calmes. Oui, voilà, je leur ai mis un plafond. J'ai pas tout fait tomber, mais bon, je vais attendre un peu qu'elles se rassemblent. Dès que j'aurai une majorité d'abeilles dedans, je pourrai les faire voler et elles se rassembleront dans le carton. Bon, j'ai mis les gants et tout, mais apparemment ça n'a pas l'air plus agressif que ça. Hein. En même temps, il fait beau. Bon, il fait beau, hein, il fait même pas encore vraiment nuit. Là. On est encore loin de la nuit. On est loin de la nuit, là. Bon, visiblement les abeilles ne remontent pas, donc elles acceptent le carton. Moi, je vais pouvoir les faire tomber un peu plus fort. Allez, je fais une pause. Voilà, j'ai appelé la dame, elle va venir, elle en a pour 25 minutes. Moi, j'ai préparé un double sac pour enfermer le carton, puisque j'avais pas de sac à linge. Et voilà, ça avance bien, j'ai soufflé dans le buisson. Il n'y a plus que 2-3 abeilles. Hop, et c'est bon.
Les abeilles se sont bien regroupées. Là, la dame qui va venir, elle n'aura plus qu'à fermer le sac en plastique là, et puis emporter le carton bien enfermé dans son sac en plastique. Donc, il n'y aura pas de souci de transport. Allez-y, pouvez... Voilà, la dame est arrivée, l'apicultrice. Je ferme le truc et je lui passe le carton. Terminé. Fin de cette vidéo.